on va le... Salut à tous. Oh, c'est dur aujourd'hui. Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de poulet. On va le fourrer avec de la ricotta et du basilic. Et on va l'enrouler de là. Vous allez voir, ça va vous donner un petit poulet croustillant et fourré à l'intérieur. Mais c'est juste trop simple à faire, savoureux et vraiment délicieux. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour deux personnes, il vous faudra deux gros filets de poulet, 2 cuillères à soupe de parmesan, 4 cuillères à soupe de ricotta, 2 cuillères à soupe de pesto ou du basilic haché, du sel, du poivre. Il vous faudra aussi 12 tranches de lard assez fines. Dans un petit saladier, on va ajouter la ricotta avec le parmesan râpé. On continue avec un petit peu de sel et de poivre. Là, j'ai utilisé un petit pesto de basilic, mais vous pouvez faire du basilic haché comme je vous le disais. Donc on ajoute ça à la préparation, vous mélangez bien. Ensuite, vous prenez une plaque à pâtisserie, vous mettez du papier sulfurisé, vous mettez vos escalopes de poulet et vous allez placer la moitié de la préparation donc dans chaque escalope et vous allez la refermer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment des grosses escalopes pour que ce soit plus facile. Ensuite, on prend les tranches de lard et on vient tout simplement les enrouler tout autour du poulet. Alors de préférence le côté fermé sous le poulet, comme ça, ça fait super joli sur le dessus, ça fait bien lisse. Voilà, on dirait des grosses momies. Donc maintenant vous mettez tout ça au four à mi-hauteur à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Il faut vraiment que le poulet soit cuit et que le dessus soit bien croquant, croustillant, bien grillé. Alors pour la présentation, soit vous le tranchez, donc ça fait très joli dans une assiette, soit vous le laissez en entier. Et moi ce jour-là, j'avais fait un petit peu de riz et beaucoup d'haricots verts. Et comme ça dégage un petit peu de jus de cuisson avec le lard, hein, forcément, vous allez voir qu'il y a du jus de cuisson. Vous pouvez le rajouter par-dessus le riz et les haricots verts, c'est juste mais trop bon. Et voilà le poulet roulé au lard, farci, pesto, ou alors, enfin bon, je dis pesto, mais vous pouvez tout simplement mettre des feuilles de basilic entières. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Là, il y a en fait le brun, là, la sauce brune, c'est le jus de cuisson. Et ça, avec l'huile d'olive et le gras du lard, bah, ça vous fait un petit jus de cuisson. C'est tout bête. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Je vais y arriver. Allez, dégustation. Dégustation, c'est parti. Bon, bah là, j'ai coupé, hein, donc ça va être carrément plus facile. Ça se tient bien. Vous voyez, c'est bien doré. C'est magnifique. Oh j'en fais. C'est délicieux. C'est pas sec. Haricots verts. J'ai fait du riz avec, mais voilà, vous pouvez bien sûr servir avec ce que vous voulez. Et de manger partout. Non, c'est bon. Vous pouvez accompagner, bien sûr, avec des pommes de terre rôties. Limite, des pommes de terre rôties au four que vous mettez avec dans un petit plat gratin. C'est super bon, quoi. Voilà, voilà, recette toute simple. Il y a peu d'ingrédients et franchement, faites-la, cette recette. Réalisez-la. Et envoyez-moi vos jolies photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Choc-Miel juste ici. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !